je vous présente les paroles avisées de l'entrepreneur multimillionnaire Dan Locke. En premier sur notre liste des compétences pour construire la richesse, il y a la discipline. Le vrai défi est de se présenter jour après jour, surtout les jours où vous préféreriez être assis sur le canapé à regarder la dernière série Netflix. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait, même quand ce n'est pas ce que vous voulez faire. Il s'agit de prendre des décisions difficiles, comme se lever tôt pour travailler sur votre plan d'affaires ou passer le week-end à assister à un séminaire au lieu de sortir avec des amis. C'est travailler même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Alors, comment développer la discipline? La clé est de fixer des objectifs petits et réalisables. Commencez petit. N'essayez pas de changer votre vie entière en un jour, au lieu de cela, fixez des objectifs petits et réalisables. Cela pourrait être aussi simple que de lire pendant 15 minutes par jour ou d'écrire une page de votre plan d'affaires chaque matin. L'important est de rester engagé envers ses objectifs, peu importe ce qui se passe. Après avoir maîtrisé ces petits objectifs, vous pouvez progressivement relever des défis plus importants. Peut-être augmenter votre temps de lecture à 30 minutes par jour ou commencer à travailler sur un aspect plus complexe de votre plan d'affaires. L'idée est de repousser vos limites, d'élargir votre zone de confort. Rappelez-vous que Rome ne s'est pas construite en un jour, mais chaque heure une brique a été posée. Il en va de même pour votre chemin vers la richesse et le succès. Il ne s'agit pas de faire de grands bonds, mais de faire des pas cohérents dans la bonne direction. Il s'agit de poser vos briques une par une, jour après jour. C'est là le pouvoir de l'automotivation et de la discipline. C'est ainsi que vous construisez les fondations d'un succès durable. Maintenant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon pour vous aider cette chaîne que de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Ce simple geste fournit la motivation nécessaire pour continuer à publier des vidéos chaque jour. Merci pour votre compréhension et maintenant revenons au sujet principal. Automotivation, l'automotivation est comme le carburant pour votre véhicule du succès sur le chemin de la réussite. Ce n'est pas toujours un trajet agréable avec des bosses, des glissades et parfois des pneus crevés. C'est dans ces moments que l'automotivation devient votre salut, vous propulsant vers l'avant lorsque le chemin devient difficile. Comment maintenir votre réservoir de motivation plein? Voici quelques conseils. Premièrement, visualisez vos objectifs, imaginez-les en détail et ressentez l'excitation de les atteindre. Cette image mentale peut être un puissant moteur qui vous pousse vers l'avant lorsque des défis se présentent. Deuxièmement, souvenez-vous pourquoi ces objectifs sont importants, ce que les atteindre signifiera pour vous. Garder ces raisons à l'esprit peut fournir un coup de fouet motivationnel au besoin. Troisièmement, célébrez vos progrès, chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Reconnaître ces victoires peut alimenter votre motivation et vous maintenir en mouvement. Rappelez-vous que la seule personne avec qui vous devriez rivaliser, c'est vous-même. Votre chemin est unique, tout comme votre rythme. Gardez les yeux sur votre chemin, et avec l'automotivation comme carburant, il n'y a pas de limite à la distance que vous pouvez parcourir. Concentration dans un monde plein de distractions, la concentration est votre arme secrète. Il s'agit de garder les yeux sur vos objectifs, même lorsque les distractions rivalisent pour votre attention. Comment affiner votre concentration? Voici quelques stratégies. Premièrement, essayez le blocage de temps. Consacrez des blocs de temps spécifiques à différentes tâches. Cela vous aide à plonger profondément dans une tâche à la fois et vous permet de vous concentrer pleinement sur chacune. La méditation est un autre outil puissant pour améliorer la concentration. Entraîner votre esprit à rester présent et à ignorer les distractions peut améliorer votre concentration dans tous les domaines de la vie. Parfois, améliorer la concentration peut être aussi simple que d'éteindre ces notifications agaçantes sur votre téléphone ou votre ordinateur. Réduire ces distractions constantes peut créer un environnement de travail plus concentré et productif. Tout comme les rayons du soleil ne brûlent pas tant qu'ils ne concentrent pas leurs efforts, ils ne résultent pas en un sens tant qu'ils ne sont pas concentrés. Alors, embrassez votre superpuissance. Maintenez la concentration et regardez comment votre chemin vers le succès devient plus clair et plus réalisable. Lecture et apprentissage continu, dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance est aussi précieuse que la monnaie, et la lecture et l'apprentissage continu sont votre banque personnelle. La lecture n'est pas simplement une promenade, mais une porte d'entrée vers de nouvelles idées et perspectives qui élargissent vos horizons.
L'apprentissage continu est votre billet pour maintenir votre pertinence dans ce monde rapide. Comment adopter ces compétences? Réservez du temps chaque jour pour la lecture, que ce soit un chapitre par jour ou même juste quelques pages. Pour l'apprentissage continu, explorez les cours en ligne, les webinaires ou rejoignez un groupe d'experts dans votre domaine d'intérêt. Si vous cherchez un livre pour commencer, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon, il est un classique regorgeant d'idées sur la façon d'atteindre le succès. Rappelez-vous que votre cerveau est comme un muscle, plus vous l'exercez avec la connaissance, plus il devient fort. Alors, saisissez ce livre, inscrivez-vous à un cours en ligne et gardez votre cerveau en forme. Cinquième sur notre liste est de jouer le long jeu. Si le succès était un sport, ce serait un marathon, pas une courte course. Il ne s'agit pas de se précipiter vers la ligne d'arrivée, mais de maintenir un rythme constant et de garder les yeux sur le prix, peu importe à quelle distance il peut sembler. Jouer le long jeu, c'est faire des mouvements stratégiques avec une perspective à long terme. C'est planter des graines aujourd'hui pour une récolte que vous récolterez à l'avenir. C'est comprendre que le succès réel et durable ne se produit pas du jour au lendemain, mais est le résultat d'un effort constant au fil du temps. Comment jouer la longue partie ? Commencez par définir des objectifs à long terme, ce seront vos étoiles directrices qui vous aideront à naviguer vers le succès. Mais vous devez aussi avoir de la patience, dans un monde de gratification instantanée, la patience peut être une vertu rare. Vous devez donner du temps pour que vos efforts portent leurs fruits, et pendant l'attente, continuez à travailler, continuez à poser les briques qui construiront le chemin vers vos objectifs. Rappelez-vous, les bonnes choses viennent à ceux qui attendent, mais seulement aux choses laissées par ceux qui s'efforcent. Alors, ne vous attendez pas à ce que le succès vienne, travaillez pour l'obtenir. En sixième position, nous avons le marketing et les ventes. Apprendre à commercialiser et vendre, que ce soit un produit, une idée ou vous-même, est un changeur de jeu. Il s'agit de montrer de la valeur et de comprendre les besoins de votre public. Comment améliorer ses compétences ? Commencez par affiner vos compétences persuasives. La persuasion est un art et, comme tout art, elle peut être apprise et perfectionnée. Lisez des livres, assistez à des séminaires, regardez des discussions, apprenez des maîtres de la persuasion. Ensuite, connaissez votre public, comprenez leurs besoins et désirs pour adapter efficacement votre message. Et n'oubliez pas, les gens n'achètent pas seulement des produits, ils achètent des versions améliorées d'eux-mêmes. Alors, vendez non seulement un produit ou une idée, mais une vision, une transformation essentielle. Maîtriser le marketing et les ventes, c'est une communication efficace, comprendre les autres et influencer leur comportement, des compétences qui sont inestimables dans tous les domaines de la vie. En septième position, nous avons l'apprentissage de l'externalisation. Il est crucial de comprendre que vous ne pouvez pas tout faire seul, et c'est bien d'externaliser. C'est un outil stratégique qui vous permet de vous concentrer sur des tâches qui contribuent directement à vos objectifs. Comment externalize your efficacement? Commencez par identifier les tâches qui prennent beaucoup de temps ou qui sont en dehors de votre expertise. Déléguez ces tâches, que ce soit en embauchant un assistant virtuel, un pigiste ou en utilisant un logiciel d'automatisation. Rappelez-vous, le temps, c'est de l'argent, chaque heure passée sur une tâche qui pourrait être externalisée est une heure de moins consacrée à vos objectifs principaux. Alors, n'hésitez pas à externaliser, c'est un investissement qui peut augmenter votre productivité et votre efficacité, vous permettant de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Ensuite, nous avons la capacité de motiver et inspirer les autres. Il ne s'agit pas d'être le patron, mais d'inspirer ceux qui vous entourent et de contribuer à leur croissance. Comment cultiver cette compétence? Tout d'abord, montrez l'exemple. Vos actions peuvent être un puissant moteur. Incarnez les qualités que vous voulez voir chez les autres. Deuxièmement, soyez une source de reconnaissance. Reconnaissez les efforts, valorisez le travail acharné et soutenez les autres dans leurs défis. Un peu de reconnaissance peut considérablement stimuler le moral et la motivation. Enfin, souvenez-vous du proverbe, une bougie ne perd rien à allumer une autre. Aider les autres à briller n'éteint pas votre propre lumière, mais rend la lumière collective plus brillante. En substance, motiver et inspirer les autres ne consiste pas seulement à les autonomiser pour qu'ils soient le meilleur qu'ils puissent être, mais aussi à s'inspirer soi-même. En neuvième position, nous avons le sacrifice. Le succès, aussi gratifiant soit-il, vient parfois avec un prix.
Ce n'est pas toujours glamour ou facile, cela demande du travail, de la dévotion et oui, des sacrifices. Ces sacrifices peuvent être votre temps, votre confort et même des relations. Le chemin vers le succès est souvent pavé de décisions qui vous obligent à renoncer à quelque chose à court terme pour des gains à long terme. Cela peut signifier se lever une heure plus tôt pour travailler sur votre entreprise, renoncer à une soirée pour économiser de l'argent, ou passer le week-end à un séminaire au lieu de regarder Netflix. En résumé, la volonté de faire des sacrifices implique de comprendre la valeur de la gratification différée, d'investir dans votre futur soi-même et d'être prêt à payer le prix du succès. Et quand vous atteindrez enfin vos objectifs, vous découvrirez que les sacrifices en valaient la peine. En 10e position, nous avons la capacité de s'adapter rapidement au changement. Si la vie était un jeu, l'adaptabilité serait votre atout sauvage, votre arme secrète. C'est la capacité qui vous permet de naviguer dans le paysage toujours changeant de la vie et de rester une étape en avant. Comment cultiver l'adaptabilité? Tout d'abord, restez ouvert. Soyez ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire les choses et de nouvelles perspectives. Ne vous accrochez pas trop au statu quo ou à votre zone de confort. Adoptez le changement, ne le résistez pas. Deuxièmement, maintenez la curiosité. Continuez à apprendre, posez des questions et explorez. Plus vous apprenez, mieux vous serez préparé à vous adapter à de nouvelles situations et défis. Enfin, souvenez-vous que le changement est la seule constante dans la vie. Il est inévitable et inarrêtable. Au lieu de le craindre, apprenez à surfer sur les vagues du changement, utilisez-le comme une opportunité pour grandir, apprendre et évoluer. En fin de compte, la capacité à s'adapter rapidement au changement est une question de résilience et de flexibilité. Il s'agit d'être capable de tourner lorsque c'est nécessaire, d'ajuster vos voiles lorsque les vents du changement soufflent. Et en le faisant, vous découvrirez que vous ne survivez pas seulement au jeu de la vie, mais que vous gagnez. Enfin, mais certainement pas le moindre, nous avons la gestion de l'argent. C'est une compétence cruciale qui distingue souvent ceux qui réussissent financièrement de ceux qui ne le font pas. Gagner de l'argent, c'est une chose, mais le conserver et le faire croître en est une autre. Il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais de la façon dont vous gérez ce que vous gagnez. La gestion de l'argent implique de prendre des décisions financières intelligentes. Il s'agit de comprendre comment planifier, économiser, investir et faire travailler votre argent pour vous. Il s'agit de s'assurer que vos habitudes financières sont saines. Comment améliorer vos compétences en gestion financière? Tout d'abord et surtout, apprenez à planifier. Comprenez où va votre argent et planifiez comment vous voulez le dépenser. Une planification financière bien réfléchie peut vous aider à contrôler vos dépenses, à économiser davantage et à éviter les dettes inutiles. Mettre régulièrement de côté une partie de vos gains peut s'accumuler avec le temps. Rappelez-vous qu'un sou économisé est un sou gagné. Troisièmement, apprenez à investir. L'investissement est l'un des moyens les plus efficaces de faire croître votre richesse, que ce soit en actions, en obligations, en immobilier ou en fonds communs de placement. Recherchez des opportunités d'investissement qui correspondent à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers. Enfin, éduquez-vous. Lisez des livres, assistez à des séminaires, suivez des cours en ligne. Plus vous en savez sur la gestion de l'argent, meilleures seront les décisions que vous pourrez prendre. Rappelez-vous que la gestion de l'argent ne concerne pas seulement les chiffres mais la liberté. Plus vous gérez bien votre argent, plus vous aurez de liberté financière. Alors, planifiez, économisez, investissez et laissez votre argent être un outil pour vous aider à atteindre vos rêves. N'oubliez pas que personne ne n'est expert. La maîtrise vient de efforts constants, de patience et, oui, d'une touche de discipline. Il est clair pour moi que vous voulez devenir une personne distinctive, vous éloignant de plusieurs années-lumière des autres, augmentant davantage votre intelligence financière. Après tout, vous avez atteint ce moment dans la vidéo, n'est-ce pas? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le contenu suivant, qui a été réalisé avec une grande dévotion spécialement pour vous. Allez, profitez-en, c'est gratuit. Et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas encore cliqué, après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1.